et son orchestre. Bonjour, c'est Marcel et son orchestre. À l'occasion de leur retour sur scène en décembre, gagnez toutes les heures dès 6h du matin vos places pour le concert du 3 décembre à 17h à Nîmes-Grand-Sud. Absolument. Une journée spéciale avec Marcel et son orchestre. Lundi, gagnez toutes les heures vos places sur France Bleu Nord et nulle part ailleurs. On est heureux de passer la journée avec vous sur France Bleu Nord. Suivons Stéphane dans sa visite privée d'une véranda à Kéna. Je suis très heureux de vous faire découvrir cette véranda exceptionnelle, installée par l'une des 65 agences à Kéna présentes en France. 65 agences? Oui, et ce n'est pas tout. Savez-vous que chaque projet est pris en charge par un technicien conseil à Kéna, qui le suit pas à pas jusqu'à l'installation? C'est royal, non? En ce moment, découvrez nos offres exceptionnelles sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. C'est fait. J'ai déposé ma demande de retraite en ligne. Je n'ai eu qu'à créer mon espace personnel sur l'assurance-retraite.fr et joindre les pièces justificatives demandées. C'est rapide, facile et sécurisé. C'était un message de l'assurance-retraite, votre retraite de la sécurité sociale. France Bleu Nord. Un point route à 16h17, ça roule normalement sans trop de difficultés sur les principaux axes de la région. Attention à la petite pluie qui tombe, plus ou moins de rue par endroit. Normalement c'est une petite bruine qui vient rendre la chaussée beaucoup plus glissante. Donc gardez des bonnes distances de sécurité, bien sûr, avec le véhicule qui vous précède. Et adaptez votre vitesse si vous constatez le moindre problème, moindre difficulté sur votre parcours, sur la route de ce samedi. Vous nous appelez, vous passez un petit coup de fil au standard de France Bleu, c'est Michel. 03 20 55 89 89 pour nous joindre. Toujours le Bluetooth, hein, quand vous êtes en voiture, ne prenez aucun risque. Sur France Bleu Nord, avec État d'amour, toujours en direct de Douai, venez nous rendre visite. Nous sommes rue de la Mairie, au pied du Beffroi. Je m'éteins des hésitations. Je me...